Je ne suis pas peu fière de mon coup, parce que ce kit qui a l'air moustache comme ça est plutôt très bien fait, je vous montre. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Aujourd'hui les amis, je ne suis pas peu fière, parce qu'on va fabriquer des chocolate frogs d'Harry Potter demain. Élise arrive chez moi, j'ai acheté de quoi fabriquer les fameuses chocolate frogs d'Harry Potter. Vous avez le moule comme ça pour mouler les grenouilles, vous avez à découper le truc pour faire la boîte, et le truc le plus cool de ce kit, c'est que vous avez les cartes. Alors ce que je ne comprends absolument pas, c'est qu'il y a de quoi faire 6 boîtes, il y a de quoi faire 6 moules, mais il y a 12 cartes. Je sais pas si vous verrez, mais elles sont... comme ça holographique, je suis très contente. En plus je pense que j'ai pas trop mal tiré mon paquet, parce que franchement j'ai Salazar Slytherin, Ollivander, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff, Albus Dumbledore, oh, celle-là je la connais pas, Jill de Roy Lockhart, d'ailleurs petite révérence à Max, le copain d'Élise, qui l'avait appelé Jill de Roy Lockhart. Quand même regarder un peu à l'avance, bien m'en a pris, parce qu'en plus découper et monter ces putains de boîtes, c'est hyper long, il vous faut limite un BTS art décoratif, mais bon c'est pas mal fait, et une fois que c'est fini c'est comme ça, c'est vraiment vraiment joli, il y a bien la place pour mettre la carte, franchement c'est une très très belle réplique, je suis contente de moi. Et pour tout vous dire, moi je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre de description. En ce qui concerne le chocolat, vous avez peut-être vu si vous avez regardé mon dernier vlog qu'avec Élise on a eu des essais un peu infructueux sur le chocolat, mais pendant l'été, j'ai poncé la recette, je l'ai fait et refait et refait, et je suis arrivée à un résultat d'excellence, genre c'est limite laxiste, enfin mon mec me disait mais on dirait du Kinder, bon. C'est un peu exagéré, surtout que moi dans la recette de chocolat que j'avais fait, j'avais aussi ajouté des macadamias salés. Donc il y avait vraiment... là je pense que je vais pas pouvoir mettre de macadamia parce que j'ai peur que ça se démoule mal ou que... enfin je sais pas, franchement j'ai pas envie de prendre le risque. Donc en ce qui concerne la recette, si vous voulez la faire, c'est pas bien compliqué. Il va vous falloir du chocolat noir 100% et il va vous falloir une poudre MCT aromatisée. Alors j'en profite pour vous faire une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question et moi-même je me la suis posée. Comment ça se fait qu'il y a autant de glucides dans ce produit? Parce que en fait, pour une scoop de 11 grammes, on vous annonce 3 grammes de glucides. En regardant les ingrédients, je me suis dit, bah, c'est une évidence, ça doit être la fibre d'acacia. Mais la fibre d'acacia, c'est une fibre, donc normalement, elle doit pouvoir être déduite. Là, ce produit-là vient des États-Unis, donc normalement, aux États-Unis, ils vous mettent toujours en dessous les fibres pour que vous puissiez faire le calcul et déduire. Du coup vraiment j'étais incertaine, j'ai envoyé un mail à la marque en leur disant comment ça se fait, vous n'avez pas indiqué que c'est des fibres et qu'on peut les déduire. Et ils m'ont répondu qu'en fait la réglementation aux États-Unis a changé assez récemment et que maintenant on n'a plus le droit de considérer la fibre d'acacia comme une fibre. Ce qui est quand même incroyable parce que c'est dans le titre, fibre d'acacia. Mais en gros les industriels doivent les compter dans les glucides et n'ont pas le droit de le mettre dans les fibres. Donc finalement que ce soit un produit US ou que ce soit un produit Europe, ça n'apparaîtra jamais dans les fibres, ça apparaîtra dans les glucides et vous pouvez néanmoins faire la soustraction. Du coup j'ai quand même fait des tests avec la glycémie et on en fera avec ce chocolat. Moi avec une scoop, donc 11 grammes, franchement j'ai aucun problème. Maintenant, faudrait voir si avec une plus grande quantité, on en a. Donc en gros, ça sera très simple, il vous faudra du chocolat noir 100% et une poudre MCT aromatisée. Et il vous faudra aussi un petit peu de sel. Si néanmoins vous voulez pimper la recette, je pense que c'est possible avec de la macadamia salée. Et moi pendant les vacances, j'avais été laxiste. Et j'avais essayé avec une douzaine même d'amandes grillées et salées au tamari. Et c'était excellent. mais là on va pas le faire. Nous sommes samedi matin, Élise va arriver dans quelques heures, donc je me mets sur la préparation des fameuses grenouilles. Si vous voulez refaire ce chocolat, pour 100 g de chocolat noir comme celui-ci, qui est à 7 g de glucides pour 100 g. Il va vous falloir 40 g de beurre de cacao. Donc moi j'ai le beurre de cacao Camelour
Pépite, il est comme ça. Je l'adore, celui-là. Et il vous faudra entre 2 et 3 scoops de poudre MCT aromatisée. Souvent, je vous dis que si vous n'avez pas d'aromatisé, vous pouvez prendre de la nature. Sur cette recette, vous ne pouvez pas. J'ai essayé, ça ne marche pas, c'est pas bon, ça n'a aucun goût. Donc là, si vous voulez refaire ce chocolat et être sûr de réussir, il faut vraiment prendre une poudre MCT aromatisée. Je dis entre 2 et 3 parce que ça dépend de votre goût au niveau de la sucrosité. Moi, pour ce chocolat-là, j'ai envie qu'il soit sucré. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est commencer par mettre 2. Vous goûtez le mélange et vous ajustez, soit en rajoutant une demi ou une cuillère entière, soit en ajoutant même quelques gouttes de stevia. Vous pouvez aussi, mais moi je n'ai pas aujourd'hui, mettre des noix de macadamia un peu concassées. Là, j'ai pas envie de prendre le risque parce que j'ai peur que ça modifie un petit peu la beauté de la grenouille à la fin. Pour la confection, c'est vraiment très simple. Je vais juste faire fondre au bain-marie le cacao et le chocolat. Je vais ajouter peu à peu la poudre égouttée et ensuite je passe à la confection des grenouilles. Un truc que moi je pense jamais à faire mais qu'il faut faire, c'est qu'une fois que tout le mélange est fini, avant de le mettre dans les moules, il faut bien peser. Comme ça, on saura exactement combien il y a de chocolat dans chaque moule et comme... Avec Élise, on va vous faire un test de glycémie pour vérifier que ce chocolat ne fait pas monter la glycémie. C'est important de savoir combien on en consomme. Que ça a parfaitement réussi. Je vais donc mettre cette petite grenouille dans un papier alu et ensuite l'insérer dans la boîte. Bon, il y a une difficulté que je n'avais pas anticipée, c'est quand même le chocolat fond vite. On n'a pas le temps de mettre un papier alu tout autour et dans les recoins, sinon en fait ça l'abîme, il fond. Et puis si on le met grossièrement, bah, ça fait moche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un morceau de papier alu au fond de la boîte. Je vais faire ça pour toutes les autres et ensuite on attend Élise pour le test de glycémie. Élise aurait vu son code. Donc moi je mange du chocolat. Oh, il n'y a aucune lumière. On est souillon de l'après-midi. On est pas mal, hein. Là je... Sors de la sieste. Test. Il est où mon lecteur? Alors, c'est parti. Ouais. Nous étions respectivement, moi j'étais à 4,4 et Élise 66. 60... J'étais à 64. Ben moi je suis revenue à 64. Hein. Retour ouais. À l'envoyeur. Donc clairement ce chocolat ne nous affecte absolument pas la glycémie. Non. Bon, bah moi par contre, il y a 4,3 ouais, maintenant, 4,3. On est dans une sphère... Enfin, je sais pas ce qui se passe. Par contre, on est une heure après quand même, on a mangé 3 grenouilles chacune. Ah oui, je l'ai pas dit. Oui, on a mangé 3 grenouilles. Et une heure après, flat as hell. Ouais. Donc, voilà. Je pense qu'on n'a même pas besoin de poursuivre de plus de tests. On valide. Nous, on en fera de notre côté, mais on va pas vous. Hein, parce que c'est un peu rébarbatif à regarder. Enfin, quoique, non, c'est intéressant de nous regarder faire. Mais. Voilà. On vous invite à liker cette vidéo. Hein, à vous abonner à cette chaîne de toute qualité. Bon, j'ai eu un léger problème avec mes rushs, mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est que maintenant, vous pouvez devenir membre sur ma chaîne, ce qui signifie, quand vous êtes membre, que vous avez accès à des avantages réservés justement aux membres de cette chaîne privée. Donc si ça vous intéresse de savoir en quoi ça consiste, il suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre » qui est à côté du bouton « S'abonner » et vous avez toutes les explications. Vous avez des concours, vous avez des lives, vous avez des petits emojis réservés. Et surtout, j'avais vraiment très envie de remercier du fond du cœur les toutes premières personnes qui m'ont rejoint sur cette souscription. C'est-à-dire Valérie Tremblay-Foster, Célestina Zana et Catherine Blanche, les trois premières. Et puis Élise de Bendelac, Wagner Sabado da Rosa, Nathalie Gorez, Elvzir, White LPS, Mount Smo, Falbala Zaza, C.
Cécile Maudire, Caroline Chapuis, Marie-Catherine Alaric, Éléonore 333, Lo Marjorie, Hélène B, Alexandra Leflanchec, Sylvie Dobrinia et Anne Schnorg. Vraiment, à tous et toutes, un immense merci. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et pour les autres, ben, n'hésitez pas à vous renseigner sur les avantages. N'hésitez pas à poser vos questions aussi si vous en avez. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. J'en avais marre de vous. Non mais ça aurait été bien de finir la vidéo en grignotant des grenouilles, mais on en a plus. On en a plus. Oh, oh, po. On a plus de grenouilles, mais on a une tablette. C'est encore mieux.